jusqu'à être sous-mort. C'est notre triste sang. Donc Arthur Bue, dans le fond, c'est un personnage historique des fins d'année 1800. Puis c'est ça, lui, à l'époque, il écrivait des textes pour dénoncer certaines situations de la société. Ou à un moment donné, il s'est tourné plusieurs des textes existentialistes, introspectifs. Puis c'est ça, dans le fond, la musique d'Arthur Bue, ben, ça va rejoindre ces deux thématiques-là. Des fois, ça va être dénonciateur, des fois, ça va être plus introspectif. On a commencé ça en juillet dernier, avec nous et Jeff, dans le fond, où j'avais des compos que j'avais entassés. Puis à un moment donné, ben là, j'ai décidé de mettre du monde là-dedans. Là, j'ai demandé à Jeff de me drummer, au début, on était rien que deux. Après ça, mon frère est arrivé, le bassiste. Après ça, ben là, Justin est arrivé pour compléter la formation. À peu près 6 mois, là, présentement. 6 mois qu'on est 4. Qu'on est 4, ouais. C'est vraiment indie rock, qu'on pourrait appeler. Mais plus précis, c'est vraiment influencé du mouvement sadcore qu'ils appellent, qui était dérivé un peu du grunge, tout ça. Les autres, c'était vraiment des tempos lents, des voix effacées, puis là, tu sais, c'est la musique lourde qu'ils appellent. Puis avec des éléments de shoegaze qu'ils appellent, pour que ça soit planant, dans le fond. Fait que là, on a comme fait un style hybride. Sauf que là, avec paroles francophones, ça donne peut-être une allure plus pop, là, mais ben, je pense que c'est pas mal différent des autres bands, justement. On a un côté expérimental. Tout étant, c'est quand même accessible, mais tu sais, je veux dire, des couleurs différentes de d'autres bands, je pense. On a vraiment une structure tout différente. Je pense, ouais, que ça fait un bon noyau à ce moment-là qui se démarque. Notre divergence musicale. Ouais, notre divergence musicale, c'est ça. Ça se complète. Ça se complète, puis ça réussit à faire un tout qui est quand même unique. C'est sûr que ça l'aide. Chaque personne arrive avec chacun ses influences, ça va créer quelque chose de différent. Ouais. Si tout le monde écoute la même affaire, tu vas faire la même affaire que... On va faire une copie d'une copie d'une copie d'une copie. Pourquoi?